Hare Krishna. Jaya Ratha Madhava Kunja Bihari. Jaya Ratha Madhava Kunja Bihari. Jaya Ratha Madhava Kunja Bihari. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Jai Shri Shri
Jagannathi Baladev Srimati Sutapta Devi Ki Jai Shri Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Shri Srinitai Satchi Suta Dvaita Chandra Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vinda Ki Jai Jai Sitaram Lakshmanana Bharata Shatrughna Yodhya Dhamma Ki Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Pralad Marashi Sudarshan Chakra Ki Jai Shri Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Tulasi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Saraswati Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Srila Prabhupada Patita Pavana Ki Jai Tutla Hare Krishna Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Salakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Ratha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Rathe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evachaha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gurvani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Kaluna Steva Nasteva Nasteva Gatiranyataham Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Hare Krishna, chers dévots, nous continuons d'étudier Srimad Bhagavatam, 4e chant, 28e chapitre, à partir du verset 29. Upayeme viryapanam vaidarbhim malayadvajaha yuttinirjitya rajya nyan pandya parapurajaya. Traduction. Il avait été décidé que Vaidarbhi, la fille du roi Vidarbha, épouserait Malayadvaja, un homme très puissant des pays de Pandu. Après avoir vaincu d'autres princes, celui-ci épousa donc la fille du roi Vidarbha. Teneur et portée par sa divine grâce, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Les Kshatriyas ont pour coutume de marier leur fille après avoir soumis les prétendants à certaines épreuves. À titre d'exemple, Draupadi devait épouser celui qui pourrait transpercer un poisson d'une flèche en ne voyant que l'image réfractée de ce poisson. De même, Krishna épousa l'une de ses reines après avoir vaincu 7 puissants taureaux. Ainsi, la civilisation védique veut que la fille d'un roi soit offerte sous certaines conditions. Vaidarbhi, la fille de Vidarbha, devait être marié à un grand Bhakta qui serait aussi un puissant roi. Étant donné que le roi Malayadvaja était à la fois un puissant monarque et un grand dévot du Seigneur,
Il remplissait toutes les conditions. Le nom même de Malayadvaja désignait un grand bhakta, aussi solide que le nom Malaya, est capable, par sa prédication, de former d'autres bhaktas tout aussi fermes que lui. Le jugement d'un tel Mahabhagavata prévaut sur tout autre. Un aussi puissant bhakta prêche activement contre tout concept spirituel étranger à la bhakti, le jnana, le karma et le yoga. Brandissant la bannière de la dévotion, il est toujours prêt à triompher des autres voies de réalisation spirituelle. Et lorsque se présente un débat opposant un bhakta et un abhakta, le pur et puissant bhakta en sort victorieux. Le mot pandya est issu de panda, signifiant connaissance. À moins d'être un grand érudit, nul ne peut vaincre les concepts qui s'opposent à la dévotion. Les mots para et pura signifient respectivement spirituel et vil. Para pura évoque donc Vaikuntha, le royaume de Dieu, et le mot jaya se rapporte à celui qui peut conquérir. Ceci revient à dire qu'un bhakta est solidement établi dans le service d'amour du Seigneur et qui a triomphé de toute conception contraire à la bhakti, peut également conquérir le royaume de Dieu. En d'autres termes, on ne peut conquérir le royaume de Dieu, Vaikuntha, qu'à condition de pratiquer le service des dévotions. Dieu, la personne suprême, est qualifié d'Ajita, ce qui signifie que nul ne peut le vaincre, mais un bhakta, par la puissance de son service de dévotion et par son attachement sincère au Seigneur, peut facilement le vaincre. Shri Krishna incarne la peur personnifiée pour tous les êtres, mais il a choisi lui-même de craindre le bâton de mère Yashoda. Krishna, Dieu, ne peut donc être vaincu par nul autre que par son dévot. Ce fut un tel bhakta qui, dans sa bienveillance, épousa la fille du roi Vidarbha. Les versets. Verset 30. Traduction. Le roi Malayadvaja fut le père d'une fille dont les yeux étaient noirs comme le jais. Il eut également 7 fils qui devinrent plus tard les seigneurs du pays de Dravida. Il était donc 7 à régner sur cette contrée. Verset 31. Au roi Prachina Bharishat, les fils de Malayadvaja eurent des descendants par milliers. Tous protégèrent la terre entière jusqu'à la mort de Manu et même par la suite. Verset 32. Le grand sage Agastya épousa la fille aînée de Malayadvaja, le fidèle dévot de Shri Krishna. D'elle naquit un fils nommé Dhritachyuta, qui eut lui-même un fils à qui il donna le nom Ditmavaha. Ditmavaha. Verset 33. Ensuite, le grand et saint roi Malayadvaja partagea son royaume entre ses fils. Désireux d'adorer Shri Krishna avec une attention parfaitement soutenue, il se retira dans un lieu isolé nommé Kulachala. Verset 34. Tout comme le clair de la lune accompagne l'astre de la nuit, lorsque le roi Malayadvaja partit pour Kulachala, son épouse dévouée, aux yeux enchanteurs, le suivit aussitôt, renonçant à toutes les joies du foyer, et ce malgré sa famille et ses enfants. Merci. Donc, vous vous souvenez de l'épisode suivant, quand roi Puranjana, au moment de mourir, il était très concentré sur sa femme, et en fait pas juste parce qu'il l'aimait, il l'adorait, etc., mais aussi il était très attaché à une relation avec une femme. En fait, vous savez que c'est un principe que quand une énergie rentre en contact avec une autre énergie, en fait, l'énergie qui est plus forte influence l'énergie qui est moins forte. Donc, l'idée de possession, en fait, l'idée de possession joue un rôle important dans cette relation entre deux énergies. Pourquoi nous voudrions avoir quelque chose? Parce qu'on n'en a pas. Par exemple, pourquoi on veut devenir fort? Parce qu'on n'a pas de force. Pourquoi on veut devenir riche? Parce que
on n'a pas de richesse. Hein? Et car l'homme s'identifie avec ce qu'il possède, okay? Quand l'homme s'identifie avec ce qu'il possède, donc les choses qu'il veut avoir ou qu'il a deviennent une partie de son identité, de son soi. Okay? Et parce que Puranjana était très attaché aux femmes, qu'est-ce que ça veut dire être attaché aux femmes? Parce que le plaisir sexuel, c'est pas seulement attribué aux femmes. Hein. L'homme sur cette terre sexuellement est attaché à tout type de relations sexuelles. Il peut avoir une attraction sexuelle vers les femmes, vers les hommes, vers les animaux, vers les vieillards, vers les petits-enfants, etc. Donc, vers les animaux. Donc, dans cette relation, en fait, sexuelle, il n'y a pas de limite. Et quand il y a cette attraction sexuelle vers tel ou tel type d'être vivant, en fait, nous voudrions compléter le manque que nous n'avons pas. Hein, et que nous n'avons pas. Donc, par exemple, les femmes ont des choses, des parties de corps que je n'ai pas. Okay? C'est pour ça que je veux les obtenir. C'est quand je veux obtenir, hein, ou ça peut être tellement fort que j'ai, mais je veux encore. Ça existe aussi. Hein. Comme les gens qui sont riches, mais ils veulent devenir encore plus riches. Et en fait, la relation sexuelle, en réalité, c'est une attraction vers la chair. Par exemple, les hommes qui aiment bien manger de la viande, c'est aussi une forme de relation sexuelle. Parce que nous voudrions, en fait, entamer la chair, nous voudrions mâcher la chair. C'est une forte relation avec la chair. Pourquoi la chair, en fait, est aussi attirante dans ce monde? Parce qu'en fait, la chair représente, en fait, la nature d'un être vivant. Par exemple, il y a une chair, okay, qui est très attirante. Mais si vous modifiez cette chair, par exemple, vous faites un nez comme ça, vous tirez les oreilles comme ça ou autre, donc cette personne ne sera plus attirante. Mais c'est la même chair, mais parce que la chair, en fait, traduit la nature d'un être vivant, c'est pour ça qu'elle est attirante ou pas attirante. Comme l'histoire de Kubja, ça fait quelques jours qu'on voit cette histoire. Par exemple, quand Kubja était bossu, tordu dans trois endroits, donc elle n'était pas attirante et personne ne voulait l'avoir comme femme, etc. Et du coup, Krishna l'a tiré par les joues, il l'a pris comme ça, il a mis ses pieds sur ses pieds, et il a pris sur ses joues et il a tiré comme ça, il l'a redressé. Et du coup, elle est devenue une très jolie fille. Et donc en fait, Krishna a changé pas seulement la chair, en tirant, en touchant Kubja, il a changé aussi l'intérieur de Kubja. En fait, il a changé la nature de Kubja. Et ce qui est intéressant, en fait, ici, l'état de mental, quand on a dit que l'état de mental joue un rôle très important dans dans le moment où l'homme quitte son corps, l'être vivant quitte son corps, et il reste en fait fixé sur telle ou telle forme, ou telle chair, on peut dire. Donc, il reprend cette chair, ce type de chair.
Donc, et au moment de mourir, car Puranjana pensait à sa femme, donc il a pris le corps d'une femme. Ce qui est intéressant, c'est que le corps que nous recevons, avec lequel on a un lien et nous identifions tellement rapidement qu'on oublie le passé. Et pourtant, sachez que le passé est présent. Nous pensons que, par exemple, demain, je vais naître comme un chien, okay? Et vous pensez que tout de suite, j'ai oublié. En fait, je n'ai pas oublié, c'est que mes sens sont tellement excités, j'ai un nouveau corps, vous voyez. J'ai une queue, j'ai les oreilles différentes, etc. Donc, c'est tellement excitant, c'est tellement neuf, que, comme quand vous achetez un nouveau téléphone, vous voyez, et vous ne le connaissez pas, et en fait, l'ancien, il s'oublie tout de suite. Ce n'est pas que vous avez oublié, mais en fait, la mémoire active est avec le nouveau téléphone. Hein. Donc, pareil, en fait, le nouveau corps, il devient justement, il prend cette... Pardon. Le nouveau corps, en fait, il prend la partie de mémoire active, il se trouve sur le premier plan, et l'ancienne, en fait, car il n'est plus applicable, il devient inutile. Vous comprenez? Parce qu'il n'est plus applicable. Par exemple, imaginez que vous avez la mémoire d'un serpent, que vous étiez un serpent, par exemple, mais vous voyez votre corps parce que vous ne l'avez plus. Donc, il n'est plus applicable. Vous pouvez, même si vous mettez par terre et vous faites comme ça, vous n'allez pas avancer comme... Vous voyez ? Mais la mémoire est là, mais juste parce qu'il n'est plus applicable, on l'abandonne. Comme par exemple, à la maison, vous avez des objets que vous ne pouvez plus utiliser, hein, et vous les abandonnez. Ce n'est pas que vous avez oublié, etc. Vous vous souvenez, mais ils ne sont plus applicables parce que c'est fini. Comme par exemple, vous savez, les prises de différents appareils qu'on change tout le temps. Et après, hop, on change et il n'existe plus ce nouveau. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, il n'est plus applicable, donc on l'abandonne. Okay? Pareil, la mémoire qu'on a, on avait de corps précédents, on l'abandonne parce qu'il n'est plus applicable. Même si de temps en temps, ça revient dans notre tête, nous pensons que c'est juste une rêve ou juste un truc. Le problème, c'est qu'en fait, Rajaguna excite notre mental et cette excitation coupe la mémoire. Donc, ça veut dire que dans notre intellect, c'est pas effacé. C'est toujours là, mais à cause d'excitation, donc, on oublie. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours en contact avec l'énergie matérielle. Tout le temps, on est en contact avec l'énergie matérielle. Et ce monde matériel, d'une façon, c'est le corps d'énergie matérielle. Et ce corps est aussi excitant, comme toutes les énergies qui sont excitantes. Donc, cette énergie est aussi à son type d'excitation. Vous voyez? Et c'est pour ça que chaque fois, quand on est exposé à cette énergie matérielle, on a tout le temps cette excitation. Voyez? Pour cela, nous appliquons Sadhana Bhakti. Sadhana Bhakti nous aide, en fait, à ne plus être excité. Pourquoi nous suivons les règles et prescriptions? Pour baisser l'excitation. Pourquoi on ne boit pas du café? Pourquoi on ne mange pas du chocolat, etc.? Parce qu'on est déjà excité. En plus, avec ce truc-là, on s'excite encore. Vous voyez, les chansons dans Rajas Tamas, je ne sais pas, des meubles dans Rajas Tamas, la nourriture dans Rajas Tamas, etc. En fait, tout cela
garde nos sens inutilisables. Parce que vous n'avez pas remarqué, quand vous chantez Hare Krishna et votre mental est excité, vous n'arrivez pas à chanter. Pourquoi? C'est quoi qui dérange? Pourquoi? Parce qu'en fait, Hare Krishna mantra, c'est d'un autre système. Les actes matériels, c'est un autre système. Donc, pour pouvoir agir dans le système de monde spirituel, il faut appliquer les règles de monde spirituel. Et les règles de monde spirituel, ne pas être attiré par le monde matériel. Shri Krishna dit dans la Bhagavad Gita à Arjuna, il dit que, en fait, tu ne dois ni aimer ce monde matériel, ni détester. Hier, on a parlé un peu de ça. En fait, quand on déteste ce monde matériel, c'est une autre forme d'excitation. Aimer le monde matériel, c'est aussi une forme d'excitation. Et les deux nous dérangent, en fait. C'est pour ça que Krishna dit « ni l'un ni l'autre ». Donc, automatiquement, on pose la question « et alors comment faire ?» Juste, il faut être indifférent. Pour être indifférent, il faut s'occuper de notre devoir spirituel. Comme ça, en fait, on va laisser tout d'une façon indifférente. Indifférent, ce n'est pas comme ça que vous dites « bon, dans ce cas-là, s'il meurt, qu'il meurt. Si, s'ils sont dans le tamas, qu'il reste dans le tamas, ce n'est pas grave. » Non. Quand Krishna dit « indifférent », ça veut dire ne pas prendre au sérieux la mort, la souffrance, la misère, etc. Souvent, les gens religieux, ils sont compassionnés par ce genre de choses, mais en réalité, qu'est-ce qu'ils font? Ils sauvent les corps des gens, mais ils ne sauvent pas l'esprit des gens. Vous voyez, pour cela, nous devons vraiment comprendre que notre devoir, c'est plutôt s'occuper de l'âme et pas de corps. Pour cette raison, nous devons nous-mêmes, tout en premier, devenir austères. Vous allez voir par la suite comment Shinarada Muni raconte l'histoire de Malayadvaja, comment Malayadvaja, en étant un homme si riche, aussi reconnu, un roi, un empereur, etc., etc., il laisse tout, il laisse tout et il va dans un endroit retiré, solitaire, pour pratiquer le bhakti yoga, pour manger les herbes, les feuilles, boire de l'eau, prendre 3-4 fois l'oblution, ablution, etc. Et vous allez voir comment sa femme la suivait et l'a fait la même chose. Donc, mais nous, je ne sais pas pourquoi, dans notre tête est venue une idée aujourd'hui, c'est que nous sommes dans le mouvement Hare Krishna et on n'a pas besoin d'austérité, on a besoin juste manger, danser, chanter, s'amuser et c'est tout. Donc je l'ai vu dans aucun livre, oui. Et justement dans les versets qu'on vient de lire, dans un des commentaires chez le Prabhupada, dit que que son maître spirituel, Bhaktisiddhanta Sarasvati, il grondait ses élèves. Dès qu'il voyait que quelqu'un a pris quelques kilos, tout de suite il le grondait. Il disait que ça, c'est la preuve que tu ne contrôles pas tes sens. Et quand tu ne contrôles pas tes sens, tu ne peux pas avancer dans la conscience Krishna. Il le grondait tout le temps. Vous voyez, donc, vous pouvez difficilement ou presque pas trouver un personnage dans le livre sacré qui s'amusait, qui faisait
tout ce qu'il vous, qui faisait la fête tout le temps, etc. Et, hein? Non, il faisait des austérités. C'est beaucoup d'austérités. Nityananda aussi était très austère. Mais son austérité est encore plus difficile que l'austérité qu'on connaisse. Parce qu'en fait, c'est bien que tu donnes cet exemple. Parce que l'austérité de Nityananda Prabhu était dans l'idée de jugement social. Vous savez que ça, c'est le plus dur. En fait, mieux, par exemple, avoir le bras coupé qu'avoir une mauvaise opinion publique sur toi. Et Nityananda, en fait, il avait le plus mauvaise opinion publique sur lui-même. Des fois, il y avait des gens qui acceptaient Sri Chaitanya Mahaprabhu, mais ils n'acceptaient pas Nityananda Prabhu. Pourquoi ? À cause de ça, parce qu'ils ne comprenaient pas. Et ça, c'est la plus grande austérité, de se trouver dans cette humeur où tout le monde peut méfier de toi, tout le monde peut, je ne sais pas, même détester, avoir peur, penser que tu es pervers, etc. etc. Et, ça, c'est une grande austérité que je ne pense pas que quelqu'un osera de le faire, parce que l'opinion publique est très très forte. Hein. Il suffit que quelqu'un pense de nous quelque chose, tout de suite, imaginez que vous pensez que vous êtes quelqu'un de très honnête, mais tout le monde pense que vous n'êtes pas honnête. C'est très compliqué de supporter, en fait, c'est une grande austérité, et en fait, partiellement, on a hérité ça de chez Nityananda Prabhu, parce que, par exemple, quand vous sortez chanter dans la rue avec votre drap autour de vos jambes, etc., on prend le coup sur nous, parce qu'on passe pour les fous, pour une secte, etc., etc. Ça aussi, c'est très austère. C'est très austère aussi dans notre famille, parmi nos proches, qui nous traitent comme fous, des fois. Il nous amène chez les psychologues, psychiatres, etc. C'est pas facile de passer par cette austérité. C'est aussi une austérité. Mais celui qui pense que, en fait, nous pouvons continuer à avancer dans la conscience Krishna sans faire austérité, c'est Maya 100%. Et nous voyons qu'en fait, Narada Muni explique ça. Mais souvent, les dévots pensent que ça, c'est pas pour nous. Ça, c'est pour Roi Puranjana, ce n'est pas pour nous. Tout ce que dans le Bhagavad Gita, Krishna dit, ce n'est pas pour nous, c'est pour Arjuna. Nous, on est Hare Krishna. Arjuna n'était pas Hare Krishna. Il était un Pandava, il faisait des bêtises, et Krishna lui enseignait pour qu'il arrête ses bêtises. Mais ce n'est pas pour nous, c'est pour Arjuna. Tout ce qui est écrit dans la Bhagavad Gita, c'est pour Arjuna. Tout ce qui est écrit dans Srimad Bhagavatam, ce n'est pas pour nous. C'est pour Prahlad Maharaj, c'est pour Dhruva Maharaj et Parikshit. Ce n'est pas pour nous. C'est comme ça qu'on raisonne. Et c'est pour ça que nous pensons que nous ne devons pas suivre leur trace. On a notre propre mouvement. Nous avons notre propre façon de vivre. Et on essaye de tourner le volant vers la gratification des sens autorisée. Donc, le roi Puranjana était né comme la fille de roi Vidarpi. Elle s'appelait Vaidarpi. Et on a pris la décision qu'elle va épouser le grand roi Malayadvaja qui était très fort, et dans Svayamvara il a gagné en fait le tournoi en vainquant les autres prétendants, et il est devenu le mari de Vaidarpi. Donc bien sûr, comme un roi et comme un kshatriya, il a donné la naissance à sept fils, car le devoir de kshatriya était aussi laisser les descendants
Pourquoi? Parce qu'en fait, ses enfants, surtout les fils, quand ils étaient nés, depuis leur naissance, on les cultivait comme les kshatriyas. Les brahmanas qui naissaient dans la famille des brahmanas, on les cultivait comme brahmanas. Chez les shudras, on cultivait comme shudras. Chez les vaishas, on cultivait les vaishas. Mais plus tard, hein, ça donnait en fait une idée à la société qu'en fait, celui qui est né dans la famille de Brahmana est automatiquement Brahmana, qui est né dans la famille de Shudra est automatiquement Shudra. Non. Dans la famille d'un Shudra pouvait être né quelqu'un avec les qualités brahmaniques, même si on l'éduquait comme un Shudra, il ne devenait pas Shudra. Pourquoi? Parce que les qualités ne le permettaient pas le faire. Il ne pouvait pas agir comme Shudra. Parce que Brahmana, c'est un intellectuel. Mais en fait, par exemple, il y avait il y avait le froid à la maison. Donc, le Shudra, pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait chercher des bois pour brûler à la maison. Pour avoir chaud, ok. Donc, et si son fils est Shudra, il suivait la même chose. Mais si par les qualités, il n'était pas Shudra, mais il était éduqué comme Shudra, en fait, comment il faisait? Sur le chemin jusqu'à la forêt et le retour, il inventait une machine qui roulait et comme ça, d'un seul coup, il pouvait amener, je ne sais pas, 3 tonnes de bois d'un seul coup. C'est ce que Shudra ne ferait pas, parce que Shudra compte seulement sur la force, sur sa force physique. Donc il va, il amène, 10 kilos, parce qu'il ne peut plus, il amène ses 10 kilos, et puis il y va, il prend encore 10 kilos et il ramène. Hein? Non, peu importe. Mais si par les qualités, en fait, cet enfant était un brahmana, il trouvait la solution, ou il pouvait raisonner autrement. Il dit, voilà, en fait, nous habitons à côté de rivière. Je vais faire un radeau et je vais mettre plein de trucs. Moi-même, je vais mettre dessus et comme ça, sur la rivière, je vais arriver à la maison. Comme ça, on aura pour un mois de bois. Vous voyez ? Il n'agissait pas comme... donc, on ne pouvait pas le considérer comme un shudra. Pour cette raison, en fait... Chaque enfant était éduqué, mais ça ne veut pas dire qu'il est automatiquement kshatriya ou brahmana ou autre. Donc, roi Malayadvaja, il avait 7 fils. Il les a cultivés comme kshatriya tellement bien qu'il a partagé la terre en 7. Et en fait, il régnait. Chacun sa partie et il n'avait pas de conflit. Il ne faisait pas de conflits entre eux. Donc c'est une très bonne éducation, vous voyez, c'est très important. Et quand roi Malayadvaja il a vu que en fait il a passé les rênes de contrôle de ce monde à ses fils et il a vérifié qu'il gère bien, donc tranquillement il pouvait se retirer. Je ne prends pas de, il explique en fait dans ses, on a lu jusque quand? Verset 34. Ok, donc quand il a vu qu'en fait c'est OK, en fait, les fils, ils se débrouillent bien comme roi de chaque partie de la terre. Donc, il s'est retiré dans un lieu solitaire. Et Srila Prabhupada, dans ses teneurs portées, il dit que...
quand un prédicateur, un gourou, il voit que ses disciples peuvent reprendre le relais, qu'ils peuvent rester ensemble et continuer à prêcher, etc. Ils peuvent prendre le rôle d'un gourou. Et ils se retirent dans un lieu solitaire pour Nirjana Bhajan. Nirjana Bhajan, c'est en fait c'est quelque chose qu'on va mettre en place. Un peu. Hein. Où Guru il se retire pour plonger dans le nectar des écritures sacrées. Ça ne veut pas dire qu'il ne contacte plus personne, etc. Mais il évite tous les contacts. C'est pour ça qu'il va, pour le Nirjan Bhajan, il se retire dans un lieu solitaire où il n'y a pas d'embêtement. Mais, par exemple, quand les disciples avaient des problèmes où ils ne comprenaient pas les shastras, etc., il y avait des points incompréhensibles, etc., ils allaient voir Guru et ils pouvaient recevoir cette connaissance. Parce que si Guru ne fait pas ça avec le temps, il va tomber dans une situation horrible, il va avoir des millions de millions de disciples et si il continue à donner à chaque disciple un peu, donc sa croissance spirituelle va diminuer et en fait pour lui ça sera très difficile de rentrer dans son Nirjana Bhajan. Donc pour cela les livres sacrés disent que en fait un moment un gourou doit limiter le nombre de ses disciples. En réalité, limiter le nombre de ses disciples, ce n'est pas un processus mécanique. Hein. Ne pensez pas que c'est mécanique. Gourou dit, voilà, à partir de demain, j'arrête de prendre des disciples, comme nous pensons. Ce n'est pas du tout comme ça. Mais plus gourou rentre dans son humeur, dans son Nirjan Bhajan, okay, automatiquement, il n'est plus un gourou universel. Parce qu'au début de prédication, gourou, il prend un peu une position de gourou universel pour tout type de dévot, pour tout type d'humeur, etc. Mais petit à petit, quand il y a déjà beaucoup de disciples, beaucoup de suiveurs, donc, il rentre dans son Nirjana Bhajan. Et quand petit à petit, il rentre dans Nirjana Bhajan, donc, avec Guru, restent seulement ceux qui partagent son humeur. Donc, automatiquement, il y a une restriction. Okay? Quand il était universel, il y avait des centaines. Okay? Mais quand c'est déjà une humeur assez précise, ceux qui n'ont pas cette humeur, ils partent. Et ceux qui n'aiment pas cette humeur ne viennent pas. Vous comprenez? Et comme ça, en fait, ceux qui ont la même humeur de leur gourou leur aide à rentrer dans leur, en fait, rasa, dans leur... C'est quand vous lisez que gourou nous entraîne dans notre rasa, gourou doit lui-même prendre cette direction pour pouvoir amener ses disciples dans cette humeur et dans cette rasa. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose artificiel, à partir de demain, j'arrête. Non, c'est en fait quand le gourou il se concentre sur son humeur, automatiquement, le nombre de disciples devient plus en plus réduit. Donc, roi Malayadvaja, quand il est allé dans la forêt, en fait, près de rivière, souvent quand on allait dans le lieu solitaire pour pratiquer
l'ermitage, on dit l'ermitage ou les... Oui. Et en pénitence. Donc, on allait dans un endroit où il y avait la rivière. Parce que, en fait, l'eau est quelque chose qui est important, dans, pas seulement dans la vie d'un être humain, mais pour un pénitencier. Pénitencier ou pénitentiaire? Pénitentiaire, c'est quelqu'un dans une prison. Ah bon? Oui. Un ermite, voilà. Donc, pour un ermite, c'est... pour un ermite, en fait, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'eau, en même temps, c'est bien pour se laver, mais aussi il prenait une attitude de se laver trois fois. Même s'ils n'étaient pas sales, mais ils se lavaient pour tuer la chair. Vous savez, en fait, la concupiscence, en fait, de notre corps qui circule dans notre corps par l'eau froide est vaincue rapidement. C'est drôle, non? Donc, et dès qu'un ermite sentait qu'il y a la concupiscence qui remonte, en fait, ce désir sexuel monte, il se jetait dans l'eau froide. C'est une pratique extraordinaire. Vous n'avez pas remarqué que, en fait, celui qui veut vaincre sa concupiscence, il va dans les neiges, dans les endroits froids. Dès qu'on dit « Oh non, j'ai envie de vivre au sud », ça veut dire la concupiscence va monter tout de suite. Pourquoi on allait dans les Himalayas? Les ermites allaient dans les Himalayas, non? Ils n'allaient pas sur le plage... Martinique, il allait là où il faisait froid, mais vraiment froid, pour trembler, vous voyez, ça tue en fait la concupiscence qui est installée dans le corps. Vraiment, dans le corps, hein, pas dans l'esprit. Mais quand longtemps, vous chassez la concupiscence de votre corps grossier, petit à petit, il est chassé aussi de notre intelligence. Vous savez? Si vous ne nourrissez pas, en fait, la concupiscence de votre chair, automatiquement, il part de notre corps et après, petit à petit, il part de notre esprit. Mais si on commence à le nourrir tout le temps, bien sûr que ça va devenir gros, même dans notre intelligence, ça va grossir. Donc, et l'épouse de roi Malayadvaja, en fait, notre roi Puranjana qui est devenu Vidarbhi, qui est devenu la reine Vidarbhi, donc elle a suivi son mari. En fait, ce qui est important à l'époque, les femmes suivaient leur mari. Pourquoi? Parce qu'ils étaient liés, pas seulement par le rituel de mariage, ils étaient liés par l'esprit. En fait, durant leur vie, ils développaient la même destination. Ils mangeaient la même chose, ils dormaient dans le même type de même type de lit, on peut dire, de même degré d'opulence, etc. Vous comprenez? Comme, par exemple, une des très bons exemples, c'est l'exemple de Brahmana Sudama. Parce que son mari vivait dans la misère, elle vivait dans la misère. Vous voyez, ils avaient un bout de tissu. Elle utilisait ce même bout de tissu comme sari, lui, il utilisait le même bout de tissu comme toti.
Non, c'est pas qu'elle n'avait pas de choix. Non, c'est parce que elle aimait Brahmana Sudama, parce que Brahmana Sudama était de l'ami de Krishna. Elle aimait justement par ça, pour ça. Donc, et en fait, d'une certaine sorte, Brahmana Sudama était un Uddipana pour elle. Vous connaissez qu'est-ce que c'est Uddipana. Donc, c'est un élément qui évoque en fait l'enthousiasme et c'est une seconde cause de notre race. Et en fait, chaque fois quand elle voyait son mari, elle se souvenait de Krishna. Même quand elle le grondait, etc., etc. Après, elle disait, mais je ne peux pas le faire, parce que il est l'ami de Krishna, vous voyez. En fait, et comme ça, Brahmana Sudama était un Uddipana pour elle, et même dans l'histoire, si vous vous souvenez, elle a dit, on ne peut plus vivre comme ça, va le voir. En fait, nous pouvons penser qu'en fait, elle ne supportait pas la misère, etc. 10 ans plus, 10 ans moins, elle était déjà habituée à cette misère. Mais chaque fois, quand elle voyait son mari, elle pensait plus en plus à Krishna. Elle voulait faire un prétexte, elle voulait créer un prétexte pour que son mari aille voir Krishna et après revenir et raconter qu'il a vu Krishna. Parce qu'elle-même, elle ne pouvait pas aller voir directement Krishna. Vous voyez le truc? C'est hyper intéressant comme situation. Et quand il est allé voir Krishna, vous pouvez imaginer la méditation que cette femme, la femme de Brahmana Sudama, dans quel type de méditation elle plongeait. C'est très intéressant parce que après, quand Brahmana Sudama est revenu, c'est comme il a apporté avec lui Krishna. C'est comme le roi Prataparudra. Parce que Sri Chaitanya Mahaprabhu, il ne voulait pas accepter. Il refusait tout type de darshan avec roi Prataparudra. Mais il a dit, OK, il peut à sa place envoyer son fils. Et chaque fois, son fils venait et Krishnadas Kaviraj Goswami décrit, il dit que son fils était tellement beau, il était comme jeune Krishna. Et chaque fois quand il venait voir roi Prataparudra, Sri Chaitanya Mahaprabhu le prenait, il le serrait comme ça contre son corps. Le fils de Prataparudra. Ah, j'ai d'ailleurs embrassé le fils de Prataparudra. Mm-hmm. Qu'est-ce que j'ai dit? Prataparudra ouais. Directement. Non, pardon. Non. Le Sri Chaitanya Mahaprabhu, il prenait dans ses bras le fils de Prataparudra. Et après, en fait, ce garçon allait et il embrassait son père. Comme ça, il apportait en fait Sri Chaitanya Mahaprabhu à son père. Donc, c'est assez subtil, ces nuances qui font fondre le cœur de dévot qui aime Krishna parce que Krishna Katha, c'est quelque chose qui nous amène et qui nous place dans la situation spirituelle. Et ceux qui sont qualifiés, en fait, de rester dans cet épisode, ils commencent à sentir, en fait, le bien complexe, en fait, tout ce qui se passe dans cet épisode. Ceux qui ne sont pas qualifiés de rester dans tel ou tel épisode, en fait, ou ils partent, ou ils n'écoutent pas. C'est comme ça. Mais en fait, la qualification vient avec Shravanam, Kirtanam. Si on n'écoute pas, si on ne répète pas, on ne peut jamais avoir une qualification. Donc, et en fait, une forte ou certes association avec son mari qui était un pur dévot, en fait,
Vidarpi a changé. En fait, parce que dans sa vie précédente, Vidarpi était Maharaj Puranjana qui a fait beaucoup de sacrifices. En fait, il suivait le système de karma kanda, etc. Comme ça, il a pu devenir une femme, mais dans une famille riche. Parce que au moment de penser à sa femme, il pouvait naître une femme, mais dans une famille de Shudra ou dans une famille de Vaishya ou autre. Mais elle était née dans une famille de Kshatriya et elle a épousé le roi Malayadvaja. Donc, mais elle pouvait rester. En fait, les femmes pouvaient rester, ne pas partir. C'était pas obligatoire. Souvent, plus tard, quand la religion était dégradée, on poussait carrément les femmes, on jetait contre sa volonté, jetait dans le feu. Et c'était vraiment criminel. La femme devait avoir cette conviction, cette forte décision que je veux suivre mon mari. Et elle devait avoir vraiment réalisé, elle devait avoir réalisé qu'elle n'est pas ce corps pour rentrer dans le feu. Si vous ne réalisez pas ça, vous ne pouvez pas faire cet acte. Hein? Parce que vous allez penser que vous vous suicidez. Mais elle ne pensait pas qu'elle se suicide. Elle dit, bon, je ne suis pas attachée à ce corps. Comme par exemple, vous savez qu'on va vous donner un autre vêtement, vous pouvez jeter ce vêtement. Mais c'est, on doit savoir au niveau de notre conscience. C'est réalisation. Est-ce qu'on est conscient que nous ne sommes pas ce corps? Et cela nous donne cette conviction, cette détermination pour rentrer dans le feu et quitter ce corps. Hein. Ça ressemble à l'époque quand on faisait les sacrifices, les vrais sacrifices où l'animal prenait notre corps et après ça a dégradé, c'était tuer l'animal et pareil avec les femmes. Oui, mais. Vous avez une connaissance de rentrer dans le corps. Oui, mais l'animal ne rentrait pas volontairement dans le feu. Non, sur le plan, il y a une qualification de le faire. Donc, et Vidarpi, donc, elle a suivi, elle a fait une tentation de suivre, mais à ce moment-là, quand elle était prête à rentrer dans le feu, il y avait un brahmana qui est apparu et il l'a arrêté. Donc, ça sera le prochain épisode sera dimanche. On n'a pas lu ce verset, non? Quand le brahmana l'arrête. Non, on n'a pas lu. Il a empêché de suivre son mari. Non. Parce qu'en fait, c'est très intéressant parce que en réalité, ce brahmana, c'est Paramatma. Et lui explique certaines choses très, très importantes, ce qu'on va étudier dimanche prochain avec Krishna. Si vous avez des questions, des commentaires... Ok. D'abord, non plus. Ok. Hare Krishna. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna. Toute gloire ai dévoti réuniti.